Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que vous réserve la semaine du 4 novembre. Oh, j'ai un trou de mémoire, mais ça va venir au 10 novembre, excusez-moi encore, donc entre le 4 et le 10 novembre. Donc, on va voir tout de suite ce que vous réserve cette semaine-là. Donc, je vous ai choisi les mêmes tarots que pour le week-end. Donc, vous avez, que je vous conseille fortement, le jeu de 32, l'art de la cartomancie française d'Alexandre Musruc, que vous pouvez même retrouver, il a une chaîne YouTube, c'est quelqu'un de vraiment d'extraordinaire et vous pouvez trouver ses jeux sur Etsy aussi si vous le souhaitez. Voilà. Vous avez également le jeu d'Amandine Bocquet, La Rose Éternelle. Elle a également l'oracle Coup de cœur. Elle a également, j'ai deux, trois oracles de cette jeune dame qui est vraiment formidable, que vous pouvez trouver sur Facebook en tapant l'oracle Coup de cœur. Vraiment extraordinaire. Donc, bravo Amandine. Ce sont vraiment de très beaux jeux. Et je vous ai également sorti l'oracle Edmond de Béline. Voilà. Donc aussi un jeu sur le Béline que j'aime beaucoup également. Je suis un petit peu, voilà, un petit peu fan. Je vous laisse le temps de choisir. Allez, on y va tout de suite. On commence par le jeu de 32. Allez, d'Alexandre Musruc. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on parle de vous. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, hein, la consultante, le consultant, peu importe, on parle de vous. Donc, on y va. Hop, c'est parti. On vous dit quoi? On vous dit qu'il y a des dépenses, des investissements à faire en début de semaine prochaine. Alors, peut-être des dépenses qui n'étaient pas prévues. Ça peut être aussi des dépenses que vous allez mettre au niveau... Je suis désolée pour la réverbération, je ne peux pas faire grand-chose. Que vous allez effectivement mettre dans votre boulot, hein, comme par exemple moi qui achète des cartes, hein, c'est possible. Hein. On a aussi les invitations, la joie et la fête en début de semaine. Alors, peut-être que lundi soir ou mardi soir, vous allez être invité chez des amis. Donc, profitez. On voit des doutes. On vous voit un petit peu dans l'incertitude. Il y a des changements il y a beaucoup de changements qui vont être faits. Peut-être même des déménagements. Vous hésitez encore beaucoup. Il y a des doutes. Vous ne savez pas trop si vous devez le faire, pas le faire. Des prises de décision au début, en milieu de semaine. Mais on vous dit grand triomphe, grand succès, quoi qu'il arrive. Donc, j'ai presque envie de vous dire que peu importe ce que vous ferez, ce seront les bonnes décisions que vous allez prendre. Donc, vous avez des ressentiments, vous avez des pressentiments, suivez votre intuition, suivez votre cœur, il vous dira les choses vraies. Il y a peut-être une jeune fille brune autour de vous qui pourrait être intéressante, peut-être un mariage, une association, peut-être des fiançailles, un engagement, peut-être des sentiments, peut-être une nièce ou alors une cousine ou une fille. En tous les cas, il y a quelqu'un autour de vous qui va être là ce week-end suivant, en fin du mois, avec un jeune homme brun. Donc, peut-être une rencontre, pourquoi pas, une rencontre, qui sait. En tous les cas, bah, écoutez, victoire, satisfaction, aboutissement. Sortez le week-end prochain, il y a peut-être quelque chose qui est bon pour ce week-end. En tous les cas, une semaine plutôt prometteuse. J'ai pas de problème pour cette semaine, pour ceux et celles qui ont choisi. C'est plutôt très positif au niveau professionnel, financier, amour plutôt fin de semaine, donc des sorties qui vont se faire. Donc faites, allez-y, foncez, bougez. C'est une excellente semaine qui vient à vous, donc plutôt sympathique. Allez, on continue cette fois-ci avec on va continuer avec la rose éternelle. Je pense que ça peut être sympathique. Alors, qu'est-ce que nous dit la rose éternelle? Alors, attendez, hop. Tac, 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 tac. En plus, Alexandre Musruc vous l'envoie dans une très jolie boîte en bois, très chouette pour ranger les cartes. Allez, on y va. Amandine Bocquet. Alors, eh bien, on vous dit que il faut sortir du pessimisme que vous avez en ce début de semaine. Sortez de ce pessimiste, de ce pessimisme. Sortez, bougez, voyez du monde. Hein, on vous le dit bien, cercle social, etc. Vous avez besoin de voir autre chose. Vous avez besoin de bouger. On vous dit que c'est les bases, en fait. Voilà, de sortir de votre pessimisme, de votre isolement, de votre peine. Essayez de bouger, c'est la base.
On vous dit que grâce à la bonne ambiance, il y a un regain d'énergie en milieu de semaine. Regardez ça, on vous le dit bien, l'histoire continue. Et c'est là où on vous dit que vous allez devenir très positif en milieu de semaine. Donc sortez, bougez, c'est important. Par contre, a priori, il y a un choix, une décision à prendre en ce milieu de semaine, alors que ce soit professionnel, personnel ou autre, hein, et qu'en fait, on vous dit que il faut vous casser les chaînes, c'est-à-dire celles qui vous empêchent de faire ce que vous devez faire, sûrement lié à votre pessimisme, peut-être effectivement que vous avez peur de prendre des décisions alors qu'il n'y a pas lieu. On vous dit que effectivement il y a un petit peu un temps d'attente, hein, donc allez à votre rythme, hein, qui va piano va sano. En tous les cas, regardez, on vous dit que le projet est très positif quoi qu'il arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on débute la semaine en étant bouffe, machin et tout ce que vous voulez, extrêmement négatif et pas bien. On décide de sortir un peu, c'est la base, on sort de ce mutisme et là, la bonne ambiance vous permet de requérir un oui, c'est-à-dire un état positif. Alors bien sûr, ça vous amène des choix. On vous voit enchaîner à des choses du passé, donc on vous demande de prendre le temps de faire bien les choses et de toute façon de ne pas vous inquiéter puisque c'est un grand oui quoi qu'il arrive. Donc c'est plutôt assez positif pour vous. Donc restez vraiment dans cette positive attitude, si je puis me permettre, car vous allez vraiment sur quelque chose de plus que positif. Alors, je voulais vous présenter, voilà, Amandine vous l'envoie très gentiment, vous voyez, elle vous met un très joli petit élastique autour, voilà, vous voyez, et elle vous l'envoie dans une magnifique pochette. Voilà, donc je voulais vous le présenter parce que c'est vrai que ça valait le coup et c'est très sympa. Voilà, donc ça, c'est pour la rose éternelle. On termine avec l'oracle Edmond de Béline. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit en ce début de semaine? Alors, il y a des découvertes. Donc, vous êtes peut-être une envie de faire des formations, d'aller voir ailleurs si l'eau est plus fraîche. Hein. Puis, on vous voyait bien dans le domaine du plaisir. Alors, peut-être avoir envie d'un nouveau sport, de jouer, pourquoi pas au théâtre, pourquoi pas également de jouer d'un... Oh, putain! On va y arriver, d'un instrument de musique. En tous les cas, on vous sent en paix en ce début de semaine, vous voyez. On vous sent très calme, très zen, très déterminé, voilà. Et puis, on vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Il y a plein de cadeaux qui vont arriver en milieu de semaine, de bonnes nouvelles, des choses de bon augure. Pourquoi? Parce que je pense que vous allez vous libérer de certaines choses que vous faisiez, c'est-à-dire que vous étiez plus un esclave, c'est-à-dire que vous aviez tendance à dire toujours oui, et là, vous vous êtes libéré, vous pensez à vous. Et on vous voit bien sur un nouveau départ de ce fait, vous voyez. C'est comme si tout d'un coup, vous aviez décidé d'être en fait qui vous voulez, ne plus être sous l'influence des choses. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas parce qu'il y a la fatalité, donc c'est souvent l'inquiétude, puisque vous êtes bien ancré, puis vous êtes en pleine discussion pour ces changements et qu'en plus, je dirais qu'on vous protège. Donc, j'ai envie de vous dire, de bien comprendre que vous êtes en train d'être sur un renouveau, que vous avez bien commencé la semaine, qu'on vous montre bien que vous êtes en train de vous libérer de certaines chaînes et que vous êtes sur un renouveau. Donc, profitez-en, vous êtes bien aspecté, bien protégé. Donc, n'ayez pas peur, allez-y, foncez, vous avez raison de le faire. Donc, allez-y sans crainte. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, prenez bien soin de vous. Au revoir.